à tous, aujourd'hui petite vidéo découverte sur Apex Legends, un nouveau jeu gratuit qui est sorti sur Origin. Il s'agit d'un Battle Royale parmi tant d'autres en version finale déjà. Et aujourd'hui on va être accompagné de Bivriz et de Luxy. Salut messieurs. Salut. Yo. Donc le principe du vidéo découverte, je vous le réexplique, c'est de faire une game, de tout filmer et de faire aucun cut en fait pour vous montrer en fait le jeu à l'état pur. Pour vous montrer un peu comment ça se passe de A à Z, donc du spawn jusqu'à la mort. Donc on part sur un principe de comme Overwatch, un système de héros qu'on choisit, qu'on peut débloquer, avec ça des skins et des skins de personnages d'armes. 19 armes pour l'instant sur le jeu, un système de boutique qui existe avec de l'argent virtuel qu'on peut gagner ou mettre de l'argent réel, mais c'est uniquement cosmétique, hein, c'est pas au niveau du skill, rien du tout. On part pour l'instant sur des trios uniquement, tu peux lancer hein, si tu veux, Luxy. C'est du trio uniquement pour l'instant, on peut pas lancer en duo ou en solo, c'est un fort dommage. Bon, je pense que ça va pas tarder à arriver. On est sur une map plutôt petite, mais qui convient pour l'instant pour faire des bonnes parties entre potes. Voilà, donc là on est dans le menu de sélection de personnages, donc de légende. Et vous voyez en bas, en fait, chacun a un petit temps pour choisir son personnage. Donc sûr, on n'a pas le droit de prendre un doublon. Là, vous voyez, c'est pour moi. Moi, j'aime bien prendre Bangalore. Et notre ami Bivriz va terminer par prendre son gros tank. Son gros patapouf. Mon gros patapouf. Mais je pense qu'après, je vais prendre Bloodhound. J'aime bien lui. Ah, ouais, pas mal. Lifeline. Si j'aurais caustiqué Mirage, j'aurais pris Mirage hein, aussi. Hein, mais... Donc là, on en est à nos caractéristiques de chaque personnage. Vous voyez, hein, il y en a qui ont fait quelques kills. On est nouveau sur le jeu. Hein. Là, c'est les squads, en fait, sélectionnés champions. Vous avez pu voir, c'est ceux qui ont fait des parties précédentes assez intéressantes. Qui sont mis en avant. Donc voilà, il y a un leader à chaque spawn. On est sur une sorte de vaisseau. Ah, c'est moi le leader. Donc du coup, voilà la map, vue de haut. On va aller spawner là-bas. Vous allez voir que c'est moi en fait qui vais diriger les joueurs directement quand on va sauter. Voyez, oui, gauche, droite. On est synchronisé. Enfin, on peut se détacher, voilà, comme l'autre con qui s'est détaché. Tous les cons sont détachés. Donc il n'y a pas de dégâts de chute. On pouvait sauter sans souci. Et après, la fight commence direct. Donc il se peut qu'il y ait des parties qui lag, ça lag encore un petit peu. Non, n'ayez pas peur, c'est normal. Bon, surtout mutez quand il y a du stuff les gars. Ouais, quand ouais. Luxy, tu t'es mute. Volontaire. Ouais, je le comprends. Pas pourquoi ça me démutait pas. Bah, je disais, j'ai toujours pas d'armes moi par contre. Ouais, donc ça compte. D'accord. Pistolet. Là aussi, à savoir, c'est toujours la personne qui choisit en troisième qui dirige le saut en fait, j'ai remarqué. D'accord. Bon bah si t'as plein de petits trucs comme ça à nous dire, n'hésite pas. Du contenu. Donc, un système de slide aussi, vous courez, vous appuyez sur contrôle. Ça c'est super. Ah t'es passé à côté d'un petit robot. Ça je l'ai détruit, j'aurais peut-être pu pas le détruire pour le montrer. C'est quoi un robot? Alors tu vois quand tu montes de niveau, tu as une petite boîte. Ouais. Mais pour avoir des stuff, et bah des fois ces petites boîtes tu peux les rencontrer dans le jeu. Et si tu leur pètes la gueule, en gros, tu as un stuff épique ou gold, et là, du coup, j'ai une armure gold. D'accord, ok. Ah, c'est sympa, ça. J'en ai jamais rencontré encore, pour l'instant. Mais j'ai jamais vu qu'il y avait des dinosaures aussi. Bivriz, faut que tu bouges. Pourquoi? Bah, parce qu'on est tout seul, en fait. Ah oui, mais j'arrive. Il y a des dinosaures en fond, c'est super. Je suis en train de changer mes armes. Je sais pas ce que c'est ça, choc précision réduit les espaces de la projectile. Ah t'as un choc de précision pour le shotgun? Ouais j'ai ça et j'ai aussi un sélecteur de tir. Ping moi le choc s'il te plaît. Bah je l'ai sur moi, tu veux que je te le donne? Ça reste. Il y a un turbochargeur pour Ouais j'ai pas d'arme encore moi, hein. j'ai rien non plus. Il y a des boîtes là-bas. Tiens t'as un sélecteur de tir, t'as le proleur ici. Putain j'ai une boîte, je vais ouvrir une boîte. Ouais parce que le burst il est nul.
Non, il fait mal, mais bon, tu peux pas te peux pas fight comme ça, quoi. Alors du coup, pour vous montrer un peu à quoi ça sert ce truc-là, quand on meurt, en fait, on laisse une balise sur nous. Nos mates peuvent les récupérer. Il suffit de mettre la balise sur ce petit truc vert ici. Et ensuite, on peut respawn. On a à peu près 85 secondes, je crois, pour faire récupérer sa valise. 90. 90 secondes. Vas-y, tu reviens, Tom. Attends, j'arrive, je cherche une arme. Bah ouais, il y a ton arme une là. Là, il y a un truc de précision là. Ouais, mais c'est pas pour mon arme en fait. Pour, le... ah, merde. Pour l'autre. Attends, j'ai trouvé. Ah, j'ai trouvé une super arme. J'ai trouvé un scout. Ouais, je joue avec déjà. Avec un viseur en plus. Et t'avais pas un sélecteur de tir? Démon de crâne, j'ai maintenant. Ouais, mais si, sélecteur de crâne, je l'ai dû le mettre, non? Ah non, même pas. Un démon de crâne. Je vais te le taxer du coup. Tu joues pas avec. T'as un sélecteur de tir, je mets par terre. Des démons de crâne, je mets par terre. Ouais, j'arrive. Ouais, j'ai trouvé un accélérateur d'ultime. J'ai un truc pour le fusil de précision. Un coude. Vas-y, mets-le, mets un point. Ah oui, 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 j'arrive. Moi, c'est ici que je t'ai mis le truc, hein, tout par terre. Là-bas. Là où je t'ai mis le point. Et là, il y a un holo. Ouais, j'ai une fois, je sais pas combien, une fois 8, j'ai. Ah, 4 fois 8 ah oui. Ah, ça, je la garde la fois 8 par contre. Par contre, j'aimerais bien un fusil d'assaut. Si tu prends un prowler, t'es le secteur de tir, c'est un SMG fusil d'assaut quoi. Ouais, j'ai pris une mitraillette R99. Je crois que j'ai lâché un fusil d'assaut par là. Le prowler. Ouais, peut-être qu'on aille vers la zone là, non? Ah, t'as une flatine ici. Oh, y a encore un scout? Oh, y en a trois des scouts. Moi je suis équipé là. Il manque un chargeur lourd et un chargeur léger. Oh, mais je vais garder mon P90, mon R99, il a l'air d'être pas mal celui-là. Il connaît pas grand chose donc on va découvrir un peu. Bon, bah la game pour l'instant est cool, on peut looter, on peut expliquer un peu aux gens. Ici. Oui. Tu l'as pris? Bah, pas moi, mais. Ouais. Ouais, je vous ai mis un point pour le. Bon, on prend le ballon. Non, restez ici là où je prends. C'est là. Donc voilà, donc chaque héros a un pouvoir différent. Vous voyez, lui il pourra mettre des téléporteurs. Toi, c'est quoi ton pouvoir, Bivrise? Moi, ouais, c'est. J'ai un putain. Je fais tomber des missiles, nickel. Tu fais tomber des quoi? Des missiles du ciel. En gros, moi. Ouais, moi aussi. J'ai un déphasage qui m'empêche de prendre des dégâts, mais on peut me suivre quand même. Et mon ulti, c'est de créer un portail. On peut réutiliser autant alliés que ennemis peuvent utiliser. Vivrise, il peut créer un dôme de protection. Ouais, mais qu'on peut pas tirer dedans. Ouais. Enfin, tu peux pas tirer à travers, mais ouais. Les ennemis peuvent passer à travers sans souci. Hein. Autant nous, on peut pas tirer à travers non plus. Son ulti, c'est un barrage de missiles défensifs. Ça, c'est le mien celui-là, non? Non, toi c'est des grenades fumigènes et un barrage de missiles offensifs. Je sais pas trop la différence entre les deux, mais vous avez... Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais vous avez un... Il y a eu un res là-bas. Qu'est-ce que t'appelles un res? Bah, tu sais, quand tu récupères la balise de quelqu'un. Et... Ouais. Y a des gens qui ont fait un res. Je le sais parce que j'ai vu le vaisseau de qui ramène le mec en fait. Il vient de repartir le vaisseau. Vous avez des grosses armures et tout en plus. Donc le mec il doit être là ou là. Bon, j'ai appuyé sur une touche, j'ai plus moi à shooter. On fait du PVP à distance les gars. Hein. Tranquillou. Putain, j'en ai plus. De toute façon, on va pas aller au contact. Hein. Il est tombé où le drop? X4x8 ici. Ah oui, m'intéresse. Parce que je jouerai le plus avec le scout, mais. Qu'est-ce que je vais lâcher? Moi, il me faut des munitions de l'eau. Ah oh, bah non, non bah, c'est des munitions d'énergie. Merci. On a lâché un petit peu, j'en ai pas besoin de plus. Oui, donc pour revenir sur les. Pas vidéo, je peux les expliquer là. Les équipements, là quoi. Là. Moi, mec, là. Là, là, là.
Une armure gold. Bon, je vais expliquer quand même. On verra après le fight, c'est bien. Et moi j'ai une armure gold en fait, et l'armure gold elle a un passif. Sûrement y'a pas quelqu'un au-dessus de nos têtes là, je crois. Là, en dessous de toi, en dessous de toi. En dessous de toi, merde, Luxi, en dessous de toi dans ton bâtiment. Je vais mettre mon mort. Je sais pas s'il m'entend. Eh, je t'entends, mais. Il est là, là où je mets le point. Ah, je sais, je sais. Ah, il est sur ton doigt, sur ton doigt, sur ton doigt. Ah, je suis à terre. Putain. Il est loin ton tireur ou pas? Non, non, ils sont vraiment au niveau des arbres là. Bouge pas, bouge pas. Pas mettre ton moral. Oh bah non, tu l'as déjà mis. Par là. Toi, tu meurs, s'il te plaît. Ouais. T'as réussi à la réanimer? Ouais, c'est bon. Bon. Avec Bivri. Tom, lance une graine fumigène par là, s'il te plaît. Par où? Là où j'ai piqué. Sur le bas. Là, là. Ils sont où? Mets des points. Si vous avez besoin de soins ou de machin. Ah, derrière le mur là, derrière le mur. Il vous avez pas de grenade? Si. Si. Oui. Il a bougé. Driver, oui, il est là. Il est là, il arrive aussi. Ah, je suis mort, putain. Ah oh, bah je les vois pas. Ah, c'est...